Allez, salut tout le monde, c'est Tazurik Perassia, on se retrouve pour l'épisode 1 de notre tout nouveau Let's Play, les amis, 100% oui, sur Super Mario Galaxy, mais ce n'est pas que un Let's Play sur Super Mario Galaxy, c'est un Let's Play sur Super Mario Galaxy, le mode Dartville Challenge. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, les amis, je vais très bien. Alors, les amis, pour vous expliquer un petit peu le concept de ce jeu, au cas où, de cette roumac créée par Aurum, vous pouvez voir le nom du titre en bas, hein, tout simplement, en tout cas l'auteur à droite de la roumac, elle sera également en description de cette vidéo, donc vous pouvez aller télécharger la roumac si elle vous plaît, si vous voulez la tester de votre côté, mais quand même, regardez quand même de mon côté, ça peut être pas mal. Et du coup, les amis, on se retrouve pour l'épisode 1 de ce Let's Play sur Super Mario Galaxy Daredevil Mode. Au cas où, cette roumac, excusez-moi, s'inspire du coup de la comète. C'est, je crois, la comète blanche, oui, c'est ça. C'est la comète blanche, tout simplement, qui en gros, tout simplement, cette comète a pour but de vous mettre qu'une seule vie. Donc, vous avez en gros qu'une chance pour pouvoir faire, par exemple, ce qui est demandé. Genre, par exemple, la menace de Mega Man, pas de seconde chance, vous voyez. Ou en une chance, one luck. En gros, c'est ça, le Daredevil Challenge, le Daredevil Mode. Et donc, les amis, ça veut dire que, du coup, ben, dites-vous que, comme son nom l'indique, c'est Daredevil Challenge, donc c'est tout le jeu. Tout le jeu, je n'ai qu'un point de vie. D'ailleurs, au cas où vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est juste un mode avec un point de vie. Non! Non! Les comètes blanches ont été remplacées par des comètes Speedy. Donc, les Speedy, c'est les comètes rouges en chemin. Qui, d'ailleurs... oui, c'est ça, hein, c'est Speedy. C'est Speedy, normalement. Ou... avec un temps serré. Je crois que c'est ça, hein, normalement. Il me semble. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Avec un temps serré. Voilà, donc, en gros, par exemple... en gros, c'est on aura, du coup, un truc à faire dans un minimum de temps. Et, du coup, bah, on doit tout simplement faire ces choses-là dans ce minimum de temps. D'ailleurs, au cas où, je précise que normalement, demain, vous allez retrouver du coup l'épisode 1, mais du côté de Super Mario Galaxy 2, et évidemment, on va le faire à 100%. Par contre, les amis, je précise, c'est une roumac. On s'en bat les couilles du nombre de maximum de fragments d'étoiles. Hein, du 9999, que ce soit en pièces ou en fragments d'étoiles. Bon, dans ce jeu, les pièces, on s'en bat les couilles, mais dans un Let's Play original, vous aurez fait 9999, enfin, 9999, voilà. Fragment étoile, là je m'en fous. Voilà, dites-vous que là on va se concentrer uniquement sur les étoiles, sur le 100% des étoiles, donc les 242 étoiles du jeu, parce qu'il y a 121 étoiles avec Mario et 121 étoiles avec Luigi. Donc voilà, on va se concentrer sur le 100% du jeu, mais on va pas se concentrer sur le nombre maximum des deux fragments étoiles, parce que en fait ça va rien changer. Vous connaissez l'easter egg, je peux me le permettre de le faire sur le let's play original du jeu Vanilla, et pour un type de jeu comme ça, ça me servira à rien. Voilà, et dites-vous pareil pour Mario Galaxy 2. Voilà, je dirais la même chose pour Mario Galaxy 2. Bon, bah écoutez les amis, on va pouvoir débuter notre aventure sur ce magnifique jeu. Et évidemment, on va choisir notre file, oui. Alors, j'ai mis le jeu en anglais, bah après c'est la même histoire. Hein. Dites-vous que vous allez avoir la même histoire. Voilà, c'est la même histoire, ne vous inquiétez pas. Donc ce n'est pas dramatique, on connaît hein, le jeu. Et du coup, play this file. Donc au cas où, je vous précise... je vous rassure tout le monde, ça sera pas une étoile par épisode. Ça, c'est une galère de fou, mais ce sera pas une étoile par épisode. Comme ça, au moins, vous êtes au courant. Ça sera, on fera, par exemple, un maximum d'étoiles qu'on peut faire en 20 minutes. Donc, voilà, on va faire comme dans le Let's Play original classique de Mario Galaxy 1. Enfin, même comme dans un Let's Play classique, en gros, si vous voulez. Parce que ce n'est pas un Reloaded. Voilà, je vous promets rien, il sera peut-être pas Reloaded. Comme je vous ai dit, les Let's Play ne seront pas tous Reloaded. Donc, voilà. Allez, bon, tous les 100 ans, une comète apparaît dans le ciel, au-dessus du royaume champignon, voilà. Bon, on commence à connaître, c'est l'histoire hein, de Mario Galaxy 2, cette comète. Bon, au cas où, je pouvais mettre le jeu en français. Mais bon, ce n'est pas très grave, quoi, tout simplement, de mettre le jeu en français. Donc, du coup, ben, The Comet was too large, voilà, la comète apparaît tous les... une fois par siècle, et voilà, et elle file... voilà, bon, vous commencez à connaître. Voilà. Bon, après, dites-vous que c'est toujours la même chose, hein, donc je vous laisse... je vous laisse lire, voilà, l'étoile de... vraiment, c'est la même histoire. Alors, de toute façon, si vous suivez cette roumac, c'est que vous connaissez quand même l'histoire de Mario Galaxy 1. Et vous connaissez minimum les dialogues. Voilà, ils ont été très contents, et les citoyens sont très... bon, vous avez compris. Voilà, apparaît tous les 100 ans, pour célébrer cette comète. Voilà, bon, voilà, vous commencez à connaître. Cher Mario, je t'attends pour toi, dans un château, en pleine nuit, des festivals, d'étoiles. Voilà, j'ai quelque chose à... ouais.
j'ai quelque chose à donner, voilà, bon bref, voilà, on commence à connaître. Et du coup, bah écoutez, on va suivre l'histoire, voilà, vous avez vu, One Life, voilà, la grosse différence, c'est que je n'ai qu'une vie déjà. Voilà, donc ça veut dire que si je me prends n'importe quel dégât, je meurs. Voilà, je vous le dis, je meurs. Donc c'est ce qui va permettre, voilà, de faire la même chose. Alors on va pas parler auto-run, on va pas parler, au cas où on va faire le jeu de façon classique, pas dans, comme, on va pas parler à tout le monde. Il n'y a pas de nouveau dialogue, voilà, je vous le dis, il n'y a pas de nouveau dialogue. Le jeu, c'est juste la modification, c'est une seule vie, tout le temps, et la modification de la comète blanche, du coup, qui se transforme à la comète Speedy. Je crois que c'est la comète Speedy, c'est la comète rouge en chemin, logiquement, je crois, si je dis pas de conneries. Et donc, du coup, ben voilà, c'est pour vous dire que du coup... Alors, je précise, cette semaine, il y aura 3 épisodes de ce let's play, et les vidéos dureront environ 20 minutes, ça fera un bon petit let's play de 20 minutes, voilà, donc, ça fera peut-être chaque let's play, peut-être fera environ dans les, peut-être 60-70 vidéos, je sais pas comment on va gérer, mais, voilà, comme ça, au moins, vous êtes au courant, ça fait un let's play à long terme, en plus, c'est bien, c'est en plein été, pour vous, on est à un mois de l'automne, pour vous, normalement, pour moi, l'été n'est pas encore commencé, mais voilà, ça me permettra, simplement, de continuer un petit peu ce let's play. Alors je vais vous laisser toutes les cutscenes et tout hein. Par contre normal quoi hein. Je vais vous laisser c'est... On va juste pas parler à tout le monde. Voilà. D'habitude on parle à tous les Toads. Enfin à tous les oui on parle à tous les Toads, à tous les personnages du jeu. Là on s'en bat les couilles. Voilà. Par contre je vous laisse les cutscenes hein. Tu peux remercier les étoiles. Le festival, hover the festival, hover. Waouh. Donc évidemment vous avez du coup en bas à gauche et des toiles évidemment, enfin, il y a dans le jeu. Donc là vous avez vu, voilà, là si je me mange une comète ou quoi, enfin une, un petit astéroïde, c'est mort hein. Je me retrouve totalement baisé. Donc on va éviter de prendre des dégâts. On a esquivé la... On l'a esquivé de peu celle-là. What the fuck. Voilà. Oh oui, pourquoi ce... J'ai voulu lancer ce let's play... Alors, pendant le temps de la cutscene, bon, que vous connaissez certainement tous. Pourquoi j'ai voulu lancer ce let's play en parallèle des autres... Enfin, alors pourtant, il y a une roumac actuellement sur la chaîne. Parce que j'ai envie. Voilà. Voilà, j'avais envie de vous le faire, de vous le proposer. Et ça me démangeait. Donc je me suis dit, allez, fuck. Voilà. Les autres rooms, sachant que normalement vous aurez pour, enfin vous aurez peut-être, je sais pas quand, mais Starshine n'a pas longtemps parce que la room, enfin la roomac est quasi signée, enfin quasi finie. J'abuse, mais je crois qu'ils ont, la personne que j'ai contactée, il m'a dit qu'elle était à 75%, et elle est aux 3/4, donc je pense qu'elle sera finie cette année ou au pire début d'année prochaine. Donc voilà quoi. Mais bon. Ah, ça permettra de nous occuper. Et oui, du coup, la chaîne YouTube va dans une direction actuellement un peu différente. Voilà, j'aime bien changer. J'aime bien aussi faire ce que je veux faire. Bah, Mario Galaxy, pour moi, c'est un jeu que j'adore énormément. Et surtout, j'ai un setup qui permet de vous faire les roumacs. Eh ouais. J'ai un setup qui vous permet de faire les roumacs, donc autant le faire. Hein. Dites-vous qu'avec l'ancien PC, je pouvais pas faire tourner Mario Galaxy, donc... Là, c'est qu'un plaisir pour moi. Ah, Léo. Mon dieu. Ta langue, do you fight, fight. Waouh. J'adore cette introduction, j'adore ce jeu. Vous pouvez pas savoir, c'est pas, c'est pourtant, dites-vous qu'il fait partie de mes Mario 3D préférés, hein. Je préfère 1000 fois Mario Galaxy que Mario Odyssey, hein. Je vous ai dit, il rentre même pas dans mon top 5. Et je crois même pas qu'il rentre dans mon top 10 Mario Odyssey. Concrètement, pour vous dire honnêtement, hein, donc... ah, c'est, pour moi, c'est pas parce que le, c'est un jeu beaucoup plus complet que ça fait un jeu plus meilleur. Pour moi, Sunshine, c'est mon préféré, et évidemment Galaxy qui est une pépite qui vient après. Finally, you are with us play. Oui, bon, on va venir jouer avec toi.
Hop. Ouais, je commence à connaître quand même. Il m'explique le tuto du jeu. Let's play hide and seek. Ok, on va jouer au cache-cache. Si tu nous attrapes tous, nous aurons quelques... Voilà, nous aurons une surprise pour toi. Enfin, quelque chose à nous dire. Hop, normalement, il y en a un. Hein. Alors, on va, même si on s'en fout un peu des frames étoiles, on va quand même en récupérer quelques-unes parce que bon, il y a toujours les gants Fruluma. Hein. Les gants Fruluma existent toujours, donc ça serait débile de... Oui, j'ai secoué la manette pour avoir... pour pour essayer de le défoncer, mais en fait, enfin, de le défoncer avec le truc, avec le cocon, mais c'est vrai qu'on ne peut pas. On ne peut pas parce que, ben parce qu'on n'a pas obtenu le truc tournoyant pour le moment. Alors évidemment du coup hein, je vous ferai l'aventure avec Luigi, je vous ferai voilà, je vous ferai les deux aventures. Moi vraiment c'est pour ça que c'est ce que j'adore, ça me permet de que le let's play dure longtemps. Oh oui c'est vrai que je fais le Reloaded en parallèle, mais bon écoutez je fais ce que je veux hein. Voilà, dites-vous quand let's play Reloaded ne sera plus jamais Reloaded, donc on profite. Et surtout pareil au niveau de ce let's play là, on profite un petit peu évidemment bien comme il faut. Oh my god, please grab fucking grab it. Ok, thank you. Wait, tu nous as tous attrapés. Ok, même ta maman, la maman, enfin notre maman peut nous peut-être t'aider. Pam 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 pam. Oh come on. Oh fuck you. Wow, elle est magnifique. Rosaline, I've been watching you from here. This place is called the gateway to the starry sky. Eh, the starry sky. My name is Rosaline. I watch over and protect the cosmos. To save your special one, you need the power to travel through space. The master Luma. Luma can give you this power. I will trust you with his care. Le pouvoir de Maître Luma. On va pouvoir tournoyer. You have the ability to spin now. Shake the remote. On met la remote. Just as Trokos, just as he that visited you with Luma. I hope you can rescue the great star. The great star. May the star shine down on you. Great! Bon, maintenant on va pouvoir s'attaquer évidemment à la suite. Hein. On va récupérer notre super grande étoile quand même. Shake to spin and to think. Think time to look breakable. You can every spin enemy to stun him. Just stun him. Yes. Great! It's a notch star, yes. Explore the universe, okay. Let's go! Bon, on commence à connaître. Hein. C'est le moment où on entre en scène. Voilà, c'est le moment où on peut mourir vraiment. Faire très attention du coup. Bon, ça devrait bien se passer. 4. 5. Tintin. Yappi! Gage. Ok, je viens d'apprendre un truc. Quand on le stun et qu'on l'élimine avec le truc, ça l'élimine directement. C'est génial. Ok, the key. Faut trouver un ennemi avec une clé. Dans ce jeu, je savais pas que quand on le stunnait, ça nous donnait le fragment étoile au lieu de la pièce habituelle. Vous voyez, j'en découvre tous les jours. J'en découvre tout le temps. Ok, merci.
Ok. Transform. Bah oui, on va secourir. Hein. Pam 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 pam. Ça, je suis tellement ravi de vous retrouver pour ce let's play. Vous pouvez pas savoir, mais j'ai une jouissance incarnée. Ouais, c'est un peu chelou, mais vous pouvez pas savoir comme j'aime ce jeu. Et vous le proposer en let's play, ça peut être que bénéfique pour moi. Ok, sorry. Thank you. The Drain Key. The Big Key. Ça fait très Zelda du coup, hein. Hey, don't hear. Vite, pas là-dedans. Ah, nous t'attendons. Voilà, la grande étoile est là, mais on doit la sauver évidemment. Voilà, ils utilisent une machine qui aspire l'étoile, on va dire la puissance de l'étoile, de la grande étoile. Il faut arrêter cette machine avant qu'il ne soit trop tard, évidemment, voilà. Évidemment, on va l'arrêter la machine. Bon, par contre, il faut faire très attention de ne pas se faire électrocuter. Oui. Oh. Tac, 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 tac. Par contre, il y a un Goomba quelque part, mais je sais pas où. Hein. Vers là, normalement. En bas. Et il est là, derrière, ça va. Parce qu'il faut pas que je me fasse baiser par le Goomba, quand même. Ça serait débile. Parfait. Alors, sorry. Ok, c'est juste pour savoir si... en termes de vidéo où j'en étais. Et là. Et collect the first star. And in the last plane. You got Angry Star. Bon bah écoutez, au moins c'est fait. C'est génial. J'adore ce jeu. On va s'éclater, hein, je vous le dis. Il y aura 3 épisodes cette semaine. On va s'arrêter là bien d'ailleurs parce qu'on est à 20 minutes. Mais je vais pouvoir vous faire des 2 autres épisodes et on va s'éclater. On va rentrer dans le truc. Oh, je vous le dis, on va s'éclater. Ah là 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 là. Tan 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 tan. On va rigoler pour des certains niveaux. On va devoir faire très attention à ne pas se faire baiser. Le Dom Terrace. Gateway Galaxy. Finish. Your high score updated. Et Star Bitcoin. You have discovered a new galaxy. Bon, évidemment, First Galaxy. Good Egg Galaxy, normalement, non? Je crois que c'est ça, non? Il me semble. The beacon is light again. It shines weakly, maybe only as bright as Class 6 star. But at least the poor Lumas will survive now. Oh, thank you for sharing the grand star. Star people and my family. They mean too much to me. Évidemment. Welcome to the Comet Observatory. It's my home and also home to the Luma. You see, we travel the starry skies. We've passed by this area once every 100 years. But we suddenly stopped in front of this planet. A strange force and slashing on the warship, pulling away the star bits and her powered source, power stars. Évidemment, donc du coup, une force aspirait les étoiles qui du coup servait de carburant, évidemment. Et du coup, c'était les pouvoirs des étoiles stellaires, les pouvoirs des super étoiles. Her ship had lost power, to the it entered a deep hibernation state, its witching could not move. Thus will took. Your special one picked the power stars. And it discovered the power to cross your universe. Wow. Please, I have a true quest.
This observatory uses star power to project image of the galaxy start at the scattered across spaces. And third, in the chance, we can use your 5 remaining stars to look for other power stars. There's one room I'd call it domes. We observe the galaxies from domes such as these. But the only one that is working now, powered by the star power, you can restore in is one, the terrace. Please, go to the terrace and try to recover the power stars from the galaxies. You can see from here. If we don't that, we'd be able to restore the Comet Observatory's ability to fly like a starship. Then perhaps we can pursue the Travis who ran off with the power stars. Great! Évidemment, on va récupérer les étoiles qui ont été dérobées par Bowser, qui d'ailleurs se sert. D'ailleurs, au cas où, Bowser est certainement au centre de l'univers. Ça unit le temps où est notre très chère princesse, évidemment. Et le Dom Terrace, évidemment, ça fonctionne par Dom de Terrace ici. Bon, faut voir. Je pense que vous connaissez le jeu, hein, si vous me suivez. Et du coup, bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode du coup numéro 1 de notre aventure 100% sur Super Mario Galaxy 1 Daredevil Challenge. Et on se retrouvera du coup pour l'épisode 2 dans lequel on ira découvrir notre Dom Terrace qu'on connaît tant, évidemment, mais qu'on ira redécouvrir. Allez, d'ici là les amis, portez-vous bien. Ciao tout le monde et je suis ultra hypé de vous dire à la prochaine pour l'épisode 2 qui arrive d'ici quelques jours. Allez, ciao tout le monde. Hey, peace. Power Stars.